On nous a claqué la porte à la figure pendant 3 mois. Aujourd'hui, on nous dit ben, il va falloir tourner la page. Non, non, nous, on ne tourne pas la page. On prend 2 ans de vie aux gens. Il est hors de question qu'on tourne la page. Et donc, on restera en grève et en action jusqu'au retrait de la réforme. Il y a bien évidemment aujourd'hui, il y a le 28 avril aussi, où on appellera les salariés de l'énergie à la grève. Et le point de chute de cette fin du mois d'avril et donc du 1er mai, jour de la fête du travail, c'est une contestation la plus massive possible. Nous, on avait signé pour des contrats de travail à 55 ans à l'époque. Et plus ça va, plus ça s'accélère. Et maintenant, on va partir à 64 ans. C'est inadmissible. Les cheminots sont épuisés. C'est une atteinte à leurs droits, à leurs contrats de travail.